Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne. Donc je le rappelle, en partenariat avec Square Enix, comme toujours, vidéo qui est sponsorisée. Live également, vous avez le lien qui est disponible en description si jamais vous voulez tester le jeu gratuitement jusqu'au niveau 60, c'est-à-dire le jeu de base et son extension Evensward. Je pense que je récite ce truc-là maintenant par cœur depuis bien longtemps. Vous pourrez bientôt le faire chez vous également. Aujourd'hui est un grand jour, merci à toutes les personnes qui sont là et qui m'aident. Parce que grâce à vous, eh bien, nous avons... Oh non ! Ah ! Ouh, c'est bon. Nous avons du coup la chance, le privilège, le bonheur de pouvoir, eh bien, passer peut-être enfin niveau 80 avec le mage blanc. Donc ça va se faire évidemment grâce à de nombreux aléas. Donc si jamais vous ne le savez pas... On a continué Bosja et donc là on est dans l'autre zone de Bosja qui est donc effectivement, donc c'est les plateaux de Zadnor qui est plus ouverte effectivement, qui change un peu par rapport à ce à quoi nous avons été habitués. Et là j'avoue, il va falloir se bouger le cul parce que... Premier arrivé, premier servi. Allez c'est bon, donc là on est dans le combat. Alors j'espère que la team pourra rejoindre parce que c'est vrai que du coup on a un peu pris d'assaut le truc. Ça a l'air d'être bon, je sais pas ce qui s'est passé. On était à 54 sur 48 et là finalement c'est passé quand même. Alors un petit boss pour faire ça tranquillou. Donc vous voyez le niveau en bas de l'écran, 31 millions sur 37 millions. C'est incroyable. Et le titre de l'affrontement c'est quoi? Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Un coup de feu qui retentit. Ses amis l'appellent Niki. Allez c'est bon, ça va le faire. Donc le combat démarre dans 1 minute 22 évidemment. Faudra que je récupère mes faits d'armes d'ailleurs, je suis passé rendre résistance numéro 18, donc on a continué Bosja, c'était très cool. On fera très certainement le donjon qui arrive au niveau 25, mais la priorité pour le moment c'est le mage blanc. Alors le donjon niveau 25 de Bosja, je le ferai mais avec le sage, évidemment. Mais là on va faire le mage blanc jusqu'au bout. Et ah oui c'est Zoro, je suis con, le cavalier qui surgit hors de la nuit, mais quel imbécile. Et le coup de vieux, voilà c'est ça, c'est terrible. Et donc je sais plus ce que j'allais dire parce que du coup vous m'embrouillez avec ces histoires là, j'avais mon truc en tête mais je me suis perdu. Qu'est-ce qu'on va faire en premier en étant mage blanc niveau 80? Alors déjà je pense que concrètement je vais me stuff, ça va être un bon départ. Et donc il est très fort probable qu'on ait à faire les raids Nier. Et j'avoue être très impatient de revoir les raids Nier parce que moi je les ai pas vus depuis très longtemps et en plus de ça je les ai pas fait souvent. Donc très impatient de les redécouvrir avec ce gameplay mage blanc du coup 80, ce qui risque d'être assez merveilleux. On va essayer de faire tout ça évidemment bien. Allez, c'est parti pour le combat dans 20 secondes, il ne reste plus que 20 secondes. Je rappelle évidemment que si ça peut vous intéresser, il y a l'interview de Naoki Yoshida qui est disponible sur la chaîne. Interview du coup dans laquelle on a parlé de plein de choses, notamment d'accessibilité, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, mais pas que ça, on a parlé gameplay notamment, comment est-ce qu'on fait pour ajouter deux classes à un jeu qui en a déjà tant, et comment est-ce qu'on crée des nouveaux gameplays différents chaque extension, tout ça. Donc des réponses très développées, très intéressantes, n'hésitez pas à checker ça, c'est sur la chaîne, et c'est trop cool. Enfin, l'autre chaîne, du coup, la chaîne principale. Allez, on bourre avec, donc, quelques effets visuels. Évidemment, on rappelle que le mage blanc, guerrier de la lumière, c'est la lumière. Voilà, nous sommes dans le pacifisme. Tu la vois, ma lumière? Allez, c'est bon. Par contre, attends, comment ça se fait que la vie, elle descend si vite? Là, il s'est passé quoi? Ah, d'accord. J'ai peut-être été un peu trop enjoué à l'idée de bourrer absolument tout le monde. Merci Pondy qui nous soigne évidemment. Ah mais c'est pas fini. Voilà je me disais c'est bizarre, ça allait très vite. Attends on va là parce que là tout le monde dit d'aller là. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Un guerrier doré. Il est merveilleux, il est magnifique. Ah attention, des attaques de zone. Ah mais il y en a partout en fait. Ah mais ils sont là, mais d'accord ok. Attends, esquive-moi ça parce que là je vais me faire dégommer. Ok pas de problème. Alors, j'ai du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train d'agir telle une espèce de petite cavalerie, là? Ça a l'air merveilleux. Ah, attention! Les soins! Mais non, mais t'as un heal, soigne! Oh, putain. Je me suis... Ah, non! J'ai lancé la béné, mais trop tard. Quel dommage. Ah oui, c'est chaud, en fait. Alors, c'est très cavalerie contre cavalerie. C'est très, très drôle, ce qui est en train de se passer à l'écran. Attends, soigne-toi, parce que là, tu vas mourir. Mais quel enfer! Alors j'ai fait un extra soin dans le vent, mais c'est pas grave. C'est toujours un grand plaisir de lancer des sorts un peu à l'arrache. Allez, attaque de zone, encore une fois, on balance tous les miracles et toute la vie. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec les effets visuels, on arrive vraiment à comprendre ce qu'il se passe à l'écran. Et je pense que vous qui connaissez très bien le jeu, vous êtes très, très à l'aise. Et ceux qui connaissent pas le jeu, je pense que vous comprenez facilement ce qui est en train de se passer.
Ah, nouvelle de... Ah, comment ça, changement de tactique? Ok, il est là. Oh, attention! Oh, ça sent le missile. C'est quoi? Qui s'est en train de passer, là? Oh, la connerie. Oh, la connerie. Je suis en vie. Attends. Lunmia! Soin! Voilà, c'est bon. Lunmia est sauvée. Oula, oula, oula. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Efla qui s'abonne à la chaîne. Dans la terre. Je comprends rien à ce qui se passe, mais c'est pas grave. Ah, serait-ce le boss qu'on cherche à affronter depuis tout à l'heure? Il est possiblement là. Ah, ça y a pris un coup. Attends, petit rêve lucide. Wouah, c'est quoi ce bordel? Pouf. Putain, c'est chaud. Ça y est, j'aimerais vraiment te sauver. Je te promets que je fais tout ce que je peux, mais... C'est compliqué, là. Ok, ça y est, là. Bah, c'est bon. Bah, c'est GG, c'est incroyable. Bah, bravo tout le monde. Alors, ok, très bien. C'est une victoire. C'est pas la plus belle des victoires, mais c'est une victoire quand même. Et on le dit, il n'y a pas de petite victoire évidemment, donc on va juste aller de ce pas sur l'autre aléa. Est-ce que ce serait pas un des derniers? Plus que 3 millions. On va y arriver, plus que 3 millions. Ce moment tant attendu, vous imaginez pas? Ça fait combien de semaines que l'on fait du rattrapage avec le mage blanc, avec des petits donjons par-ci, des petits donjons par-là, un petit Byakko, un petit Suzaku, un truc, un petit Omega machin. Pour le plaisir déjà de redécouvrir un peu le mage blanc, d'améliorer tout ça. Et puis aussi bah, le farming qui se fait un peu de manière lente au fur et à mesure. Et là, ça y est, enfin on y est. On y est enfin. Ah là 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 là. Je suis tellement heureux, vous avez pas idée. J'avais tellement peur de pas réussir à avoir cette classe, enfin ce job, pour la sortie de Endwalker. Et là finalement on est vraiment à la limite de la limite, mais ce sera fait quoi. Donc très très cool. Et la crash des serveurs. Ah non, mais portez pas la poisse s'il vous plaît. Ça va bien se passer. Allez... Bon, prochaine étape, ça sera réussir à performer le Mahjong aussi. c'est un des objectifs pour Endwalker. Claquer les parties classées du Mahjong et mettre la misère à tout le monde. Eh ben merci Elfa, merci ton message est adorable. Merci beaucoup pour le soutien et du coup j'espère que tu sentiras que ça en vaut la peine. Merci, merci beaucoup pour tout. Allez, attention. Attends, comment ça? Mais, elle est où ma croix? Attends, mais sors! Ah! J'ai flippé là! C'était quoi ce truc? Terrible. Évidemment, je rappelle que le nouveau Video Games Live est en ligne sur la chaîne si jamais. Donc, Elfla, si ça peut t'intéresser, peut-être que c'est des choses. Tu pourrais te brancher. Oh là, attention! Waouh, 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 waouh! Ah, on a un cristal, parfait. Je dis ça parce que quand les gens s'abonnent à la chaîne et tout ça pour le live, j'ai toujours un peu du mal à comprendre parce que je vois pas la plus-value par exemple par rapport à d'autres. Enfin, je me dis, bah, y a plein de chaînes, y a plein de machins, ça. Mais par contre, je sais que voilà, Video Games Lab, c'est là où je mets toutes les tripes, donc potentiellement, je comprendrais qu'on a envie par exemple de soutenir ce projet-là, quoi. Plus que ma personne, on va dire ça comme ça. Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Il reste quasiment rien là. Je pourrais passer les deux niveaux d'un coup pour l'effet d'arme d'ailleurs. Allez, je présage le truc par ici, on va voir. Ah, on a le Akai qui était avec nous et qui s'en va. Merci aux gens qui nous ont rejoints pour le rush final de l'XP. C'était quand même sacrément long. Alexei nous dit un jour un ami m'a dit qu'il n'aimait pas les Final Fantasy à cause des effets visuels surabondants, ça va pas l'aider. Ah non, mais là après c'est désactivable hein. C'est moi qui suis un amoureux de la pyrotechnie et des effets spéciaux de tout ce qui est effets visuels et tout ça dans les jeux vidéo, mais après c'est parce que c'est mon porn à moi en fait quoi, mais je conçois que bah comme beaucoup de catégories un peu atypiques de ce genre de choses, évidemment
Voilà, chacun a ses kinks qui sont des fois qu'à lui, quoi. Voilà, moi, les effets de lumière, j'aime beaucoup. Alors, on en est où? C'est bon, il est là. Allez, on va le chercher. De ce pas. Oh là, attention. Ah, et ce cher Ninka qui arrive à ce moment-là sur le chat, c'est merveilleux. Coucou Ninka. Ninka, j'espère que tu es prêt. Allez, on y va. Ça va bien se passer. Ninka qui n'a toujours pas décidé entre le fait de conduire ou non. Attends, oh mais ça y est, je me suis encore embrouillé. Je comprends pas pourquoi il me fait le ciblage alors que moi je veux juste descendre de mon véhicule là. Attention, oula. Ouais, c'est bon. Allez. Donc là, c'est le fameux spam de miracle, évidemment, puisque le miracle, c'est ce qu'on cherche, hein, concrètement. Alors, pour la petite anecdote, quand on va monter en plus l'effet d'arme, on va pouvoir monter de deux niveaux, donc pour le rendre résistant, et normalement, ça nous donne accès à la troisième zone de farm à partir du prochain segment. Mais je sais pas si on va avoir la patience de le faire là, puisque évidemment, dès que je suis passé 80, plus rien ne m'intéresse. Je veux juste mettre mes équipements et voir un peu, bah justement, le e-level que ça donnera. Sans doute un truc ridicule, vraiment, ça va être chaud. Ah, c'est 22 la dernière partie, ah d'accord, donc ça vaut pas encore le coup de faire la totale, ouais. Allez, c'est presque bon. Merci Quentin qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Par contre, je te suis le plus Sekiro, je dirais. Ah, ça marche, ok. Bah alors, tu fais quoi Elfla, petite parenthèse. Mais du coup, ouais, le prochain gros Video Games Lab, du coup, qui sera sur un jeu, ce sera très certainement Sekiro. Du coup, j'ai commencé à le bosser, mais juste, je veux finir les trucs de la Game Jam avant. Il me semble vraiment essentiel et important. Miracle. Non, j'ai pas le niveau. Mais non! Mais quel enfer! Il me manque que dalle! Mais c'est horrible! Bon alors attendez, il nous reste encore un petit aléa à faire. Un petit aléa et on a réglé la question. Au secours, le jeu qui veut pas... Il laisse rien le jeu. Il dit non, tu vas le mériter ton truc. Il ne laisse rien. Je veux tellement cette monture, elle est trop belle. Bien. Alors on attend, alors je pourrais faire l'aléa effectivement qui est dans la zone 1 mais pff, je sais pas si ça vaut le coup honnêtement de le faire. Là on la voit effectivement, bon pourquoi pas mais ouais. Ah ça y est, vous voyez ce qui vient de popper là-bas? C'est mon niveau 80. Allez, il est là. Musique évidemment qu'on aime. Le son est pas trop fort du jeu d'ailleurs, faut me dire hein, si jamais c'est le cas. Normalement non, mais bon, je sais que des fois il y a des embrouilles. Allez, ça va aller vite en plus. Je me suis embrouillé de touche, mais c'est pas grave. Allez, on bute tout. Et Renilas, effectivement, c'est le dernier aléa, ça y est, il est là. Je l'ai attendu, hein, je peux vous assurer, j'en peux plus là. J'en peux vraiment plus. Allez, pitié, putain. Tue, c'est tout, tu tues et on y va. Aïe, aïe, aïe. Non mais là, pour la récompense, je devrais faire un raid Nier, honnêtement. Mais je sais pas si j'aurai le temps, parce que je devais partir de chez moi vers à peu près 18h20 là, donc... ça sera compliqué. Un archéo-démon. Putain, ça me rappelle les nominations façon... comment dire? Façon Damasio avec les techno-machins et les néo ceci, cela. C'est rigolo. Allez, un petit raid, exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Non, bon, on va le faire, je pense. Non, je sais pas. Peut-être pas un petit raid. Peut-être juste un boss. Un petit défi pour le fun.
Il m'a gâché ma musique, il a pas mis le ta 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 ta. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est bon, c'est pas grave, je m'en fous, c'est bon, c'est fait. Merci, merci infiniment à toutes les personnes qui ont rejoint et qui ont accompagné tous ces raids dans Bosja. Merci infiniment. Oh là 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 là. On l'a fait, ça y est, le niveau 80. C'était très long. C'était très très long. Mais ouais, on pourrait dire qu'on y était. Ah ouais, bah là ouais, surtout, c'est là en fait ce que vous vivez. Et ce que moi, ce que je suis ravi de pouvoir faire enfin, c'est la transition de classe. C'est-à-dire qu'enfin, je ne suis plus main bard. Je vais être main mage blanc. Et ça, c'est très bien. Ah, le son quand même qu'on attendait. Voilà, je suis passé niveau 20 du coup de la résistance. Allez, on valide ça. Donc il y aura l'autre quête à faire éventuellement, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Oula, attention. Non, c'est pas ça que je veux. Alors on a dit que c'était échanger quoi, des objets pour accélérer. C'est quoi le truc, vous m'avez dit, pour accélérer la vitesse? Carte détaillée des fonds sud, ça m'intéresse pas. Clé d'activation. Ah, mais il y a des petits trucs effectivement ici, ouais. Ombrelle bleue. Quelqu'un m'a dit que c'était pour 25 et c'était un truc important de ça. Ah, carte détaillée des hauts plateaux. C'est ça qui permet d'accélérer la vitesse? Ah, mais d'accord. Ah, mais en fait, je suis ultra déçu. Ah oui, d'accord, je suis ultra, ultra déçu. En fait, moi, je pensais que ça améliorait la vitesse de monture, genre ad vitam, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'était ma nouvelle monture. Et là, vous êtes en train de me dire que non, non, c'est juste pour la zone. Ah ouais, le dégoût, mais quelle horreur. Ah oui, c'est juste la vitesse sur Zadnor, en fait. D'accord, ok, bon bah écoutez, je saurai. Alors je vais faire un petit peu d'espace, d'accord, parce qu'on va en avoir besoin évidemment. Bon, on va jeter les quelques trucs que j'ai ici qui servent à fondamentalement pas grand chose. Et regardez, vous savez ce que c'est la pertinence de quelqu'un qui a eu la patience? C'est que je me suis toujours dit, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de mon équipement de meilleure qualité. Et donc, vous allez voir, ce up va être merveilleux. Attention. Parce que je suis... Alors attends, on va faire les choses dans l'ordre, attendez, parce que là on va profiter, c'est le moment. Merci encore une fois à toutes les personnes qui étaient avec nous, c'est trop cool. Donc on va faire les éclats oubliés là, qui sont là, dont on se fout un peu, c'est vrai, je l'avoue. Mais bon, on va quand même le faire. Voilà. Tac, voilà, c'est fait. Ensuite ici on a ça. Voilà. Ensuite il y avait d'autres types d'éclats oubliés, si je dis pas de bêtises. Voilà. Quelques-uns encore une fois. Le pire c'est que ça remplit l'inventaire de ouf ces conneries là. Mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, je le sais. Alors les hubs s'achètent par zone. Mais est-ce que c'est vrai aussi pour les zones de jeu habituelles? Genre Limsa, Lominsa, enfin la Nocea, bam. D'accord, ok, ça marche, Bakaneko-san qui nous dit du coup que ouais, le farm de donjon peut être aussi cool. D'accord, très bien. Alors, ce que j'allais dire, c'était donc que là, nous avons donc l'inventaire qui est prêt. Et donc, on garde en tête que mon e-level, il est 398. Alors déjà, est-ce que j'ai des choses un peu meilleures pour moi? Alors, j'ai effectivement des choses un peu meilleures. Je suis passé déjà 416, très bien. Alors, normalement, si je dis pas de conneries, j'avais gardé quelque chose. Ça, là. C'est pas un truc qui était bien, ça? Ah non, c'est de la merde. Attends. Ah non, c'est de la merde. Attends, utiliser. Ah, je peux utiliser ça que dehors. Alors attendez, il faut que je sorte. On va sortir. Alors, faut aller chercher la relique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la relique aussi à aller faire, ouais. Alors on va aller faire ça. Déjà il faut que j'achète des trucs avec les cristaux aussi là, il n'y avait pas ça. On va faire ça tranquille ou de toute façon voilà, c'est le rite de passage. Alors faut aller parler à Zlatan ou faut aller parler à d'autres personnes? Attends, qu'est-ce qu'on veut déjà avec le garde de la reine aussi? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Non, clairement pas. Ok, là on parle. Alors, Zlatan, effectivement, est disponible. Alors, il faut que je termine
Comment ça? Ah, c'est pas le bon truc. Crée une arme de la résistance. Donc ça, c'est le fameux truc. Alors, fabriquer l'arme pour le mage blanc. Accepté. Alors, des écailles ombrales auprès... Non, de Tavener auprès, machin, au glas des revenants. Ou alors, Ismena et Lidilé. D'accord, donc faut que j'aille chercher les quatre pincées, machin. Très bien. Alors, on va le faire, mais avant ça. Inventaire. Donc on a dit que... Je faisais ça. Donc, est-ce que déjà là, j'améliore un peu mon personnage? Je m'embrouille, trop d'excitation. Oui. Ok, alors ensuite, c'est quoi mes niveaux là? Ils sont 400, 400, 400, 400, 400, 505. Ouais, donc c'est bon. Donc je passais 418. C'est quoi ce skin dégueulasse? Elle est horrible! On dirait qu'elle est en robe de chambre! Ah! Je m'attendais pas à ça. Ah oui, c'est pas ouf. Alors, est-ce que j'ai des pièces boss gen? Oui, normalement, oui. Mais à qui je parle pour pouvoir les échanger? C'est ça le truc. Et je sais pas si j'ai assez en plus. Genre par exemple, équipement du verdict des juges, c'est ça qu'il me faut? Alors j'ai pas de pièces boss gène en or. Ah mais j'ai pas assez. D'accord, il fallait en argent, il en fallait beaucoup pour avoir juste le changement. Ah ouais, non mais c'est infini en fait. Fais voir à quoi il ressemble juste le setup boss gène là. Ah ouais, ah oui d'accord, là ça déconne zéro par contre. Là ça déconne vraiment zéro. Allez, on vire tout ça. Et le bordel. Achète ce qu'il te manque en pièces rouges, c'est-à-dire. Pauvre inventaire. Attends, parce que du coup, il y a quand même un truc que je voulais voir aussi. Donc on avait dit... Attends, et pour la... Alors, où est-ce qu'on peut acheter les objets qu'il faut? Il m'a dit c'était à Lidilé, c'est ça? Idylle, moi je veux bien, faut juste que je me TP, donc ça va être par là. C'est parti. Donc il faut que j'en achète deux. Idylle au Mordona, d'accord, même. Alors c'est à quel endroit par contre? Parce que Idylle c'est cool, mais je sais pas où c'est. Je suis où là? C'est 4 écailles. Ouais, ouais, ça j'ai bien vu qu'il fallait 4 écailles, ouais. Alors, matéria, sertissage. Au milieu, dans le bâtiment central. Alors, on va imaginer que c'est le bâtiment central. Oui, bon, on peut faire ça vite fait. Je le valide, comme ça je sais que je l'aurai. Alors faut parler à Ismena. Non? C'était pas ce personnage là? Ah pas ce bâtiment là, d'accord, ok. Ah celui-là. D'accord, ok. C'est très joli la zone, mais pourquoi est-ce que j'ai aucun souvenir de cet endroit? C'est trop bizarre. Ah oui, d'accord, ok. Alors, on a Poena qui est là, et on a Ismena qui est là. Alors, poétique, divers, j'imagine. Alors, c'est quoi qu'il me faut, on a dit? C'était 4 pinces machin de...
Pince d'écaille ombrale. Alors, c'est peut-être pas là-dedans. Ah, je suis aveugle ou c'est que je me trompais? Je me suis peut-être trompé, ouais. Je sais pas. Écaille ombrale de Tavenir, voilà, c'est bon, j'ai. Ok, c'est bon, j'ai. Alors, je vois qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait acheter, mais on va prendre que ça. Alors, juste acquis de conscience, mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Une barre de bosgène. Une tenue pour le chocobo. Ah d'accord, trop bien. Merci beaucoup. Beaucoup trop cool. Mais merci. C'était qui l'a... Ah c'était le winner. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc je pourrais équiper le chocobo avec ça. Alors, je suis juste curieux d'un truc. Oui, ça, c'est un autre délire. Parce que alors là, c'est parti, on a encore un milliard de choses. Très bien. Alors, on va se TP. Comment s'appelle la zone où il y avait Bosja déjà? À chaque fois, j'oublie. C'est à côté de Stormblood, si je dis pas de conneries. Quartier enclavé de Doma, ouais, c'est ça. Il me reste 4. Et après on va à Gangos. Ah ouais, galère quand même hein. Galère, galère. Le miracle. Alors attends, Gangos, on y va avec ça. Ah j'avoue Lumia, ouais. Bon attends, je vais pas vous taxer non plus mais ça serait avec plaisir. Ah merde, c'est Astrid qui a donné... pardon. C'est Astrid, pardon. Merci Astrid, excuse-moi. J'ai vu le message, du coup j'ai bugué. Merci beaucoup Astrid. C'est Astrid Shida qui a fait le cadeau. Putain, mais je suis vraiment le pire des connards, quoi. Merci beaucoup Astrid. Merci infiniment. Quel... Oh là 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 là, mon dieu, mais rien à garder chez ce garçon, quoi. Okay. Alors, on a les morceaux qu'il lui fallait. Voilà Zlatan. Fais-nous rêver. Fais-nous zlataner l'arme. Ouais, bon. Il fait sa vie. Alors, la question qui va évidemment tuer maintenant, c'est est-ce que c'est mieux que ce que j'ai là? Oui, quand même. Ah, par contre, le bâton, il est magnifique. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas la quête par contre avec le bâton? Pourquoi il me parle du barde alors que je pourrais le faire avec le... Merci Amsterzilla. Ah ça y est, on s'est perdu. Ah c'est Lumia avec la barde. Merci beaucoup Lumia. Et merci Amsterzilla. Alors parle à Ingrim. La blague, c'est où? Ah, c'est parce que j'ai la quête du barde en cours que je suis bloqué, vous pensez? Alors, on peut la virer éventuellement. Comment elle s'appelle? Non, c'est pas ça, Bakaneko-san. Bon, à voir.
Voilà, améliorer l'arme pour le mage blanc, très bien. Ok. Alors, les amas mémoriels, machin, tatata. Attends, est-ce que du coup il me fait repartir de zéro ou est-ce que c'est bon? Être en possession de l'objet requis. Alors, est-ce que les amas mémoriels, je les ai ou est-ce que je suis complètement à l'ouest? Non, je les ai pas. D'accord, ok, c'est un truc super long. Ok, donc on va en rester là pour le moment avec cette arme-là et ce sera déjà très bien. Ok. Bon, bah très bien. Alors, le seul truc qui pourrait éventuellement me rester à voir ici... Parce que... Ouais, alors, attends. J'ai une chance d'avoir le stuff qui est chez le technicien, là, ou CHS? Parce que du coup, on est d'accord qu'il me manque de toute façon tout, là, pour... J'ai pas les pièces boss gen. Comment? Enfin, j'ai pas de quoi faire ça ici. Donc j'ai aucune chance d'avoir ce truc-là, non? C'est pas en rentrant que je vais débloquer des objets, ou c'est pas avec les cristaux, par exemple, que je peux acheter ce genre de choses-là? Non, là, il faut farm le raid. D'accord, ok, très bien. Bon, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dernier petit truc. On va se téléporter... Et on va aller... Alors, c'est quelle ville qui m'intéresse? C'est Ulmore. Voilà. Après, ouais, au pire, il y a un truc bronze, vous dites. Ouais, d'accord. Non, mais là, on va déjà regarder ce qui se passe ici. Alors, je sais pas du tout où j'en suis dans les devises, donc j'y vais vraiment au pif. Mais, à tout hasard... Alors ça, on est d'accord, c'est mort, ouais. Alors, c'est mort aussi. Tout ça, c'est les Eden que j'ai pas fait, j'imagine. Ouais. J'avoue que je sais plus. Ah, ça y est, on y arrive. Alors. Donc, j'ai une ceinture que je peux mettre ici. Et c'est tout. Ah merde, les ceintures, elles disparaissent dans 2 semaines. C'est vrai qu'il n'y a plus de ceinture dans Endwalker. Merde. Mais quel échec de vie. Mais putain, mais c'est, j'en ai marre de rater ma vie comme ça. C'est pas possible. J'avais oublié. Mais quelle lose. Mais quelle lose. Oh là 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 là. Mais putain, mais non, mais vraiment, il n'y a rien qui va. Ma vie est un échec sans nom, quoi, c'est terrible. En plus, du coup, j'ai même pas de quoi faire des accessoires ou des conneries comme ça avec les... Parce que là, j'ai pas assez. Au niveau mémoire quartz, ce serait trop beau. Et là, là, j'ai vite fait de quoi faire. On va peut-être pas reprendre une ceinture, n'est-ce pas? J'ai 600... Je pourrais prendre les gants, vite paf, ouais. Histoire de... Parce que là, j'ai pas assez pour le fut, de toute façon. Allez, un joli arc-en-ciel, ce sera moi. Ok, ben il va falloir changer ça, hein, parce que là, vraiment, je suis dégueulasse. Je suis vraiment dégueulasse, c'est horrible. Voilà, très bien. On peut aller à l'hôtel des ventes. Oui, alors, l'hôtel des ventes, il est dispo ici ou pas? Parce que je sais pas où il est dans cette zone-là. Ah, il est pas à l'étage du dessous? Il y a pas un truc comme ça? Il me semble qu'à l'étage du dessous, il y a peut-être une chance d'avoir une robe digne de ce nom. Pas ici. Ah merde, c'est vrai, il n'y a pas. Faut aller à Crystarium. Oh, terrible. Genre, jusqu'au bout, je vais me faire allumer, quoi. Eh ben, allez, on va à Crystarium. Quel enfer. Ah, Mina qui propose de passer en 60 plus crit mon arme. Ouais, mais mon arme, elle va changer dès qu'il y aura la prochaine extension. Vous emmerdez pas. Et puis, de toute façon, au pire, je dois en avoir des matériaux. Alors, je sais pas où est l'HDV par contre ici. Ouah, ça veut dire que je vais avoir la quête que j'ai jamais fait aussi. Ça serait bien d'avoir un tank aussi au max. Hein.
comme ça je pourrais faire toutes les quêtes. Mais oui, j'ai jamais fait la quête de rôle pour le healer. Alors, juste qu'on se pose 2 secondes là. Alors, équipement mage blanc. Pour la tête. Alors, ce qu'il me faut, c'est ça, évidemment. Sans pitié. Et heureusement, ça ne coûte plus rien. Très bien. Ensuite, côté armure. Alors attends. Oh là, je vais vraiment. Je sens que je vais pas être beau. Je sens que je vais pas être beau. Comment ça, cet objet n'est pas en vente? Ah merde! En fait, j'ai peut-être pris mes gants pour rien. Ah non, c'est bon. Bon, la ceinture, c'est Osef. Ensuite, rechercher. Ça va, j'avais peur de me ruiner, que chaque truc coûte super cher, mais en fait, ça va être ok. Très bien. Alors, boucle d'oreille. Et il en faut combien? Il en faut une, hein. On a qu'une boucle à mettre. Bon, là, je me pose pas la question, je sais que j'ai pas. Collier. Il est où mon collier? Oh, zut. Oh. Alors, pas la peine de se faire chier avec les trucs stat max. Ouais, je vais prendre ça, ce sera très bien. Ça coûte trop cher pour se ruiner. Ici, on a quoi? 44 000, très bien. Après, normalement, c'est Misha qui aurait dû tout me payer, hein. Est-ce que j'ai le droit d'avoir 2 fois la même bague? Je me rappelle plus du tout. Ah, et on peut améliorer Exarcha, vous dites Ulmor si on a envie. Celle-ci, oui, d'accord, ok, très bien. Ok, et donc là. Tout ça pour arriver finalement à cette conclusion-là. Quoi? Attends, non! Non! Non, je garde pas cette gueule, hein. Oui, donc voilà, je sais pourquoi je l'avais gardée. Elle est magnifique. Celle-là aussi. Ok, ça, je peux jeter. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un équipement barde en visuel alors qu'en fait, je suis un mage blanc? Je suis jamais trop confronté à ça. Mais celle-là, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est incroyable. Cette tenue, je la trouve complètement dingue. Non, je peux pas. Je sais pas si vous la voyez assez, mais vraiment, enfin, elle est folle de chez folle, quoi. J'aime trop. Bon, faudrait que je me trouve un mirage pour le mage blanc aussi, hein. Oh mon dieu. J'aime tellement pas. Oh là là. Ah ouais, non, j'aime pas du tout. Ok. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'existe. Alors, du coup, je suis 497. Bon, c'est pas ouf, hein. Mais ça fera déjà largement le taf. On sera bien. Oh, très jolie tenue, hein. Pouah. Avec la coupe de lightning. Magnifique. On lui fait un défilé de mode. Arrêtez, vous allez mettre la mort, là. C'est suffisant pour faire le Rednir. Ah ouais, c'est vrai, c'est ce que je me posais comme question, justement, ouais. Après, juste question con, mais est-ce que le bâton, y a pas mieux en craft? Pourquoi y a pas? Ah, c'est parce que c'est érudit, peut-être. Mais non, c'est pas érudit. Érudit, c'est le bouquin. Élémentaliste.
Ouais, non, ça va. C'est quand même mieux ce que j'ai là. Ouais. Tenue de Red Bahamut, nous dit Demerarine. D'accord, ok, ça marche. Ah ouais, elle est classe aussi. Oh, ça y est, vous allez me mettre la mort. Oh, elle est tellement bien. Ah, j'aime trop celle de Lumia. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment, 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 vraiment cool. Ah, j'ai une tête. J'ai une tête infâme. Je déteste le côté couture comme c'est là devant. Là. Oh, elle est tellement cool la boss. Oh, j'aime trop son skin. Oh, mais de ouf. Oh là 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 là. Oh, vous me mettez tous la mort là, putain. Attends. Astrid, c'est. Non, t'es pas mage blanc là. Non. Oh, putain, Astrid, l'armure elle est incroyable aussi. Hein. Pouah, magnifique. Putain, vous êtes tous trop classe là. Hein. Bon, on fera une mission Mirage pour avoir un bon skin. Pour faire des belles captures de Endwalker. On va couper là-dessus pour la VOD. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu. Ça y est, c'est bon. Le niveau 80 est atteint. Et donc, à partir de là, eh bien, ça sera. On va refaire les Rednir. Voilà, la prochaine fois, on fera les Rednir. Ce sera très bien comme ça. Merci d'avoir suivi ça. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye.